Bonjour à tous. La perturbation continue d'être active sur nos régions. Elle s'étend des Pyrénées vers le nord-est et va continuer d'onduler sur nos régions cet après-midi dimanche avec des pluies à caractère soutenu essentiellement par exemple vers la Bourgogne, l'Auvergne, aussi de la neige vers les Alpes du Nord, un vent qui restera sensible et à l'arrière ici vers la Bretagne, les Pays de la Loire et en deuxième partie d'après-midi vers la région Poitou-Charentes, un risque d'orage et de grésil. Donc une journée un petit peu maussade sur toute la France avec des températures qui vont nettement diminuer jusqu'à 8 degrés seulement du côté d'Aurillac, mais aussi Limoges et du côté de Bourges, contre 21 vers Grenoble. Rapide coup d'œil sur la journée de lundi, c'est un assèchement de la Mazère avec l'évacuation de la perturbation. La limite pluie-neige diminue nettement aussi et ça reste très instable du côté de la Corse. Retour aussi de grésil possible vers les Hauts-de-France et côté thermomètre, malheureusement, c'est le retour des températures négatives sur une grande partie du territoire. Soyez donc vigilants. On continue avec les valeurs de la journée qui oscilleront entre 9 et 17 degrés et pour ces deux prochains jours, c'est un temps plutôt calme au niveau de la couleur du ciel, avec beaucoup de mistral tramontane mardi et les gelées blanches au sol qui seront présentes ici dès le matin mardi et mercredi. Courage et accrochez-vous tout de suite. Voici le journal présenté par Anne-Claire Coudray. À tout à l'heure.